Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Congo Dianto Otela et c'est la radio télé Kinatimaza qui vous présente une exclusivité en sa première parce que l'ère du troisième millénaire va être arrosée par cette chaîne radio télé Kinatimaza puisque c'est la chaîne de l'ère du Verseau, l'ère de grand tournant dans le monde. Alors, en ce jour, nous avons une spécialité, une exclusivité. Nous allons recevoir un invité de marque. Pourquoi il est un invité de marque? Il vient de très loin. Il vient de très loin, de la Martinique. Il est, pour la première fois, il est venu à Mpumbu, à Kinshasa, en Afrique centrale, en RD Congo. Il est, c'est son voyage plutôt pour la première fois, dans la terre des ancêtres, puisqu'il est le descendant de personnes qui ont été déportées lors de la traite négrière. Alors, pour la première fois de sa vie, il vient de fouler le sol de ses aïeux. Voilà pour cette raison, nous allons l'inviter ou le convier à prendre place afin d'évoluer dans ces spéciales que nous réservons en son honneur. Soyez les bienvenus, monsieur l'invité. Oui, chers téléspectateurs, nous avons maintenant notre invité installé à nos côtés. D'entrée de jeu, nous vous informons que l'émission va être bilingue. Un moment, nous allons aussi basculer dans la langue Kikongo. Et comme nous l'avons présenté tout au début, Tweti Kuluza Isavo, Ndio na Tweti Tambula Wunu Kiaki, Wenankuna, Waba Antuba Yenda, Mukinkole, Muntotumia America. Ye, Munkumbu Yantete Tuka Mbutukuluandi, Yandi Wazengele Mukwiza Munantotumia Katiopa, Ntotumia Afrika, Kadikwako Kwatuka Nkakazandi. C'est un acquis, mon asana yempangi waou, oui, zidi, mouluzolo loyandiki be, ni mukuza, mona, continent, yatou kankakazandi. Tout en délai. C'est l'entrée de jeu, nous allons demander à notre invité de s'auto-présenter afin que nous ne soyons pas en démarcation avec les quelques détails que lui-même pouvait donner par rapport à son identité. La parole à notre invité. Dans la tradition Congo, on a coutume de se présenter, présenter son père, sa mère. Donc je vais me présenter en Kikongo. Gouliame, Pavila Michalon, Annie. Samé, mon père, Massé Serge. Kumbouame, mon nom,
tout moi massé. Donc je suis un fils des descendants d'esclaves que les Européens marchands d'esclaves ont déportés depuis plus de 400 ans. Donc il y a dans mon pays des descendants de Bas-Congo ayant conservé leur nom Congo. La famille Mabiala, la famille Makessa, la famille Makongo, etc. Donc je suis venu dans la terre de mes ancêtres afin de voir ce pays que mes ancêtres avaient quitté de façon forcée, par les armes, le fouet. Donc c'est un honneur pour moi de venir participer à la fête qu'il y a eu lieu récemment, l'honneur de Fumu Kibongo. Donc j'ai été invité par le grand maître de la sagesse Congo, Nemanda Nsemi. Merci pour cette présentation liminaire. Et là, nous semblons déjà constater qu'il a évoqué même quelques éléments qui occasionnent son arrivée ici sur la terre de ses ancêtres. Boutantou Momassé, une curiosité. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants et dont vous occupez quelle position par rapport à la descendance? D'accord. Ma mère est issue d'une famille assez nombreuse, mais elle est jumelle. Et je suis l'aîné de deux petites sœurs jumelles. Merci beaucoup. Né des parents de premier degré non natifs sur le sol africain, qu'est-ce qui a occasionné votre voyage pour cette Afrique inconnue de vos parents? Vous savez, très jeune, à l'école, on nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. Donc, aucune histoire sur nos ancêtres. Quand nous voyons les images des Gaulois, nous voyons des blancs et nous avons la peau noire. Donc, le manque d'informations m'a poussé à fouiller, à lire beaucoup. Dans les années lycée, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, Hector Lapoussinière, un césarien. Quand je dis césarien, c'est un disciple d'Aimé Césaire, qui a écrit des grands livres, Cahiers d'un retour au pays natal, qui parle de l'Afrique, Une saison au Congo, qui relate les indépendances du Congo, Kazavubo, Lumumba, Kibongo, dans Une saison au Congo. Donc, ça a réveillé en moi l'amour de l'Afrique. Donc, en savant un peu plus, le Congo, Une saison au Congo, Kibongo, c'est qui? Lumumba, c'est qui? Kazavubo, c'est qui? Donc, né d'une famille chrétienne. Bien, merci. Alors, quelle était la religion pratiquée par vos parents déportés dans les Amériques? Bon, la majorité des familles dans les Amériques sont chrétiens. Pourquoi? Lors de la tête négrière, le roi Louis XIV, roi soleil de la France, avait dicté le code noir, où, quand un esclave arrivait, le missionnaire catholique avait pour mission de l'évangéliser, de le faire oublier sa religion, de lui imposer un nom, bref, de lui sauver son âme, comme il disait-il. Voilà. Voilà. Donc, toutes les familles sont chrétiennes. Donc, étant né dans une famille catholique chrétienne, très jeune, j'ai suivi les instructions, confirmations, catéchisme, et patati et patata. Mais dans mon cœur, je n'aimais pas l'Église. Je n'aimais pas. Et quand je suis arrivé à l'âge de majeur, j'allais de moins en moins à l'Église. Seulement lors des grandes fêtes, Noël, Pâques. Et à un moment donné, je n'y allais plus.
ces temps-là, connaissez-vous Mfumu Kimbangu? Oui. Alors, quelle était votre position? Quel était vraiment votre sentiment? Ou bien, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Bon, avant d'arriver à Mfumu Kimbangu, en ayant abandonné l'Église, j'ai lu beaucoup l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et j'ai constaté que dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de l'Égypte. Égypte, les Hébreux rentrent en Égypte, Abraham en Égypte, Jacob, Moïse, Jésus. Et j'ai décidé de connaître un peu plus sur l'Égypte. Donc j'ai fermé la Bible et j'ai appris à lire les hiéroglyphes. J'ai appris tout ce qui parlait de l'Égypte, les pharaons, j'ai appris. Pour comparer avec ce que disait la Bible. Et à ma grande surprise, j'ai constaté que la Bible mentait. Les pharaons qui étaient diabolisés dans la Bible, dans l'Égypte, ce sont des, comme on dit en Kikongo, des Walesa, des hommes-dieux. Bien avant Jésus, homme-dieu, fils de Dieu. J'ai constaté que beaucoup de passages de la Bible, les Égyptiens avaient déjà écrit. Donc, en résumé, les Juifs ont recopié des enseignements des Noirs. Donc, tout cela m'a fait vraiment abandonner définitivement la religion chrétienne. Pour répondre à vos questions concernant Kimbangu, en 2006, j'avais créé en Martinique, donc l'île où je viens, une librairie afrocentrique, une librairie négro-égyptienne, où je vendais uniquement des livres sur la culture noire. Les ouvrages de Cheikh Anta Diop, les ouvrages de Théophile Obenga, c'est un disciple de Cheikh Anta Diop. Bref, beaucoup d'ouvrages de conscientisation des Noirs. Et Kimbangu, d'après certains auteurs, était présenté comme un disciple de Jésus-Christ. Alors, comme moi, j'avais abandonné, je me suis dit, Kimbangu, disciple de Jésus-Christ, je ne veux pas. Et Yavita Kimpa, Saint-Antoine, je ne veux pas. Mais, en 2007, un Congo vivant chez nous, Marianne Martiniquaise, est venu me visiter à la librairie. Parce que la veille, j'avais fait une émission sur la culture noire, sur la religion africaine, etc. Et il est venu voir celui qui parlait à la radio. J'étais plus jeune. Alors il arrive, il dit « Bonjour, monsieur, je voulais voir monsieur Massé. » Je lui dis « C'est moi. » Il me dit « Non. Le monsieur qui parle est plus vieux que vous, vous êtes jeune. » Et au final, c'était bien moi qui parlais à la radio. Et il m'a remis 4 brochures de Mwenda Semi que je ne connaissais pas. Alors, le roi des Bateke, l'histoire du Congo central, Congo Dialwango, et puis un livre en Kikongo Kindoki, dont je ne comprenais rien. Rien. Et petit à petit, voilà. Et petit à petit, j'ai découvert que Kimbangu, présenté par Nimonda Semi, ce n'est pas le Kikongo présenté par les églises chrétiennes. Donc Kimbangu, c'est un sauveur du même rang que Jésus, Bouddha, Mohamed, etc. Tout en délai, ça va se rongeler de Mfumu Kimbangu, Ngu Nzaya Nene Yena. Tu n'as qui est-ce? Kadi Ngeye, Meni Touka Kuna Nseke, Ye Wizi Di Kwa Kuku Katiopa. C'est Mfumu Kimbangu, ou est-ce que son avo, Mfumu ya nene yena, ou ena mu tezo ki monsi ye, Mfumu Bouddha, Mfumu Yisu, ye bonso bobo. Tutondele mumba kusulu yina, kadia fiotiko, fomuntu katuka kuna nseke, ye kau zailan samu wa Mfumu Kimbangu, a des milliers de kilomètres, à la Martinique, donc l'Amérique latine là-bas.
Oui, vous venez d'évoquer les circonstances pour lesquelles vous avez raffermi votre croyance sur Mfumu Kimbangu. Mais l'Afrique étant vaste, comment expliquez-vous votre motivation pour venir au cœur de l'Afrique et non dans un autre coin de cette Afrique noire? Alors, pourquoi le Congo? Vous savez, dans les Amériques, on a déporté beaucoup de Noirs. Certains, on leur a imposé des nouveaux noms, voilà, et d'autres ont conservé des noms africains, parfois mal écrits à cause de la francophonie, souvent mal écrits. Et en recherchant la signification de Massé, parce que Massé, c'est mon nom. Sur ma carte d'identité, mon père s'appelle Serge Massé, mon grand-père paternel Jean Massé, arrière-arrière-grand-père premier noir affranchi Jean Massé. Ok, esclave, ancien esclave. Et ils sont plus noirs que moi, vraiment des traits noirs, sombres, donc Afrique. Donc en cherchant la signification du nom Massé, j'ai lu beaucoup d'ouvrages et un jour, je suis tombé sur une dynastie de rois dans le Cameroun du Sud, Cameroun du Sud, où il y avait Mapoka Massé. Alors je me suis dit, ah, je dois être un descendant d'un roi. Il a le même nom de famille. Voilà. Ayant appris beaucoup par les brochures de Nimone Dassemi qui parlent non seulement du Congo, mais de toute l'Afrique. Mon cœur m'a dit, c'est le Congo. C'est le Congo. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi. Et le Congo qui était venu me remettre dans ma librairie les quatre brochures, il m'avait salué, il m'a dit, tu connais la signification de Massé? J'ai dit non. Il m'a dit, dans notre langue, ça veut dire nos pères, les pères tout-puissants. Alors j'étais content. J'étais très content. Voilà, les pères tout-puissants. Bon, en écoutant des chansons de Boudoudja Congo, il y a une chanson, Bouetete Kakongo, Kwatuka Massé, Massé. Oh! Donc tout ça, voilà, tout ça. J'ai dit, c'est chez moi. Donc, je suis venu naturellement. En tout cas, nous sommes très ravis parce que vous avez décelé vos origines à partir même de l'identité que vous portez. Oui, je voulais ajouter, avant de venir, des entreprises américaines font des tests d'ADN. Vous envoyez un peu de votre salive, intérieur, paume droite, gauche, pour avoir les codes génétiques du papa et de la mère. J'ai envoyé ça aux États-Unis, ma femme et moi, et on nous a envoyé les résultats. Les résultats. Vous voyez, je suis un peu métissé. Pourquoi? Du côté de ma mère, donc mon arrière-grand-mère maternelle, c'était une noire qui venait du Congo, mais on a oublié son nom. Mais son papa, disons, pas son papa, un homme, disons, elle était servante chez un maître. Son servante, là, je ne sais pas si l'a violée ou si elle était consentante, mais a eu des enfants. Donc, ma grand-mère est la première génération d'un colon blanc et d'une descendante d'esclaves noirs. Donc, ma grand-mère maternelle. Et ensuite, ma mère, toujours métisse deuxième génération, a épousé Monsieur Serge Massé, noir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis mélangé un peu. Donc le test d'ADN donnait 70% africain et le reste un peu Europe, un peu Maya, les Mayas, Amérique, et puis Inde. En faible pourcentage, mais 70% Afrique, mais détaillé. Congo, Nigeria du Sud, Igbo, Congo, Afrique centrale. Voilà.
Merci pour ces éléments très, très, très captivants. Cela confirme votre appartenance à cette Afrique noire. Qui est ce Yandi Tutambudi Songele Diovo Kamu Samokupa Mukinako Mukulwa Kayokuza Diatan Totomia Katiopa Ku Munti Mansi Evontima Wakatiopa en Afrique centrale Kadi Yandewa Sosa Mukuzaya Masina Mandi Kwatuka Nkuluzandi Tulendi Fioti Mulumputu Bonsu Bukasongele Bayenda Sosa Mukuzaya Kwe Batuka Munzila ya Kitezo Kya Mazayu Kineka Temuka Munza. Donc par ce qu'on appelle le test ADN. Tenakie se mutambula waye tumpangi meni kisunzula evo visidi. Voyandi mu nitwandi mukumba nga menga mabandombe menga matuka mu katiopa. Pour enchérir, nous sommes à l'ère du troisième millénaire, l'ère du Verseau. Alors Mboutamassé, Toumouamassé, l'homme à la soutane jaune, tête chauve et la bande rouge à la tête, vous dit quelque chose et les connaissez-vous? Vous parlez de Longia Kongo ne Makandala ne Mwenda Semi, l'homme à la soutane jaune. Il représente beaucoup. Quand j'ai lu les premières brochures de l'homme à la soutane jaune, ne Mwenda Semi, je me suis dit, cet homme, il parle comme moi, il pense comme moi. Pourquoi? Dès l'âge de 18 ans, j'étais déjà éveillé par rapport à mes frères. Je lisais déjà du Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, toutes ces choses-là. Et je me posais des questions. Et en lisant les brochures de Nemo Nassim, j'ai dit, mais lui, il pense comme moi, mais il est plus fort que moi parce que il m'apporte des choses que je pense un peu, mais il apporte la confirmation. Donc pour moi, c'est mon instructeur. Mon instructeur. Il a ouvert mon cerveau. Fonctionne très, très, très bien. Merci. Je passe à mon assistant afin d'évoluer. Ok. On regarde le mystère des noms portés par les hommes. Votre nom de Toumouamassé cache-t-il un mystère? Dans la tradition Congo, on dit il y a un pouvoir dans les noms. Il y a des pouvoirs bénis, positifs, et des pouvoirs et des noms négatifs et des noms positifs. Mes parents m'ont donné comme prénom quand je suis né Charles Hugues Massé. En fouillant, en voulant savoir d'où ça vient, j'ai appris que Charles, c'est le prénom francisé de nom allemand, Karl. Mais mes parents ne sont pas des Allemands. Donc problème. Deuxième prénom, Hugues. Hugues est un prénom francisé allemand, Hugues. Mes parents ne sont pas des Allemands. Mais quand même, dans la culture allemande, Hugues, c'est un nom de royauté. Et Charles, c'est un nom de quelqu'un qui est intelligent. Donc c'est quand même... C'est bon pour un Allemand. Donc, j'ai choisi tout moi. Donc, en cherchant des noms Congo, 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 il y a beaucoup de noms. Et quand j'ai vu tout moi messager, j'ai dit, ça, c'est à moi, ça. Donc, j'ai pris tout moi et j'ai ajouté à mon nom Massé. Donc, tout moi Massé. Et effectivement, ce nom est doté d'une vibration. Parce que je suis devenu le tout-moi de l'homme à la soutane jaune.
Donc, c'est moi qui, quand il était au maquis, et chez vous, vous disiez, Moïnda Sémi est mort, Moïnda Sémi est tué, sa tête coupée, son corps au Rwanda. Mais je recevais les vidéos de Moïnda Sémi, je les publiais. Donc, je savais qu'il n'était pas mort. Voilà. Ok, merci. Vous voici le deux pieds ferme sur le continent d'Afrique. Alors, quel est le message que vous lancez à l'endroit des Noirs américains, en particulier, et aux Noirs du monde entier en général? Alors, en visitant le pays, j'ai vu que c'est un pays qui a un potentiel d'avenir, parce que vous êtes extrêmement riche, les minerais qui attisent les puissances étrangères américaines et européennes, cobalt, coltan, manganèse, uranium, cuivre, or, diamant, etc. Mais en parcourant un peu le pays, la misère, la pauvreté, mes frères congolais du pays souffrent. Manque d'infrastructures. Donc, mon message, c'est que il faut faire une révolution. Il faut faire une révolution. On est l'ère du Verseau, c'est l'ère des grands changements, des grands bouleversements. Donc, ce pays a tout pour devenir une grande puissance mondiale. Mais vos dirigeants, je ne sais pas. Aux frères descendants, aussi des parents déportés, le message que vous leur adressez. Donc les Bénin Congo et les Africains en général qui ont été déportés dans les Amériques depuis plus de 400 ans vivent aussi une souffrance de l'autre côté. Bon, nous avons quelques bienfaits grâce au combat. Tout ce que nous avons dans les Amériques, si nous avons un salaire proche des Français, c'est parce que nos ancêtres ont lutté. Les Français n'ont jamais rien donné. Il y a eu des grèves, ils ont tué des gens pour améliorer. Donc tout ce que nous avons, c'est des luttes. Des luttes, c'est des luttes. Donc, le message que je vais donner à mes frères de la diaspora, c'est de soutenir leurs frères du pays qui manquent des moyens. Ils ont été formés dans des grandes écoles américaines, européennes, et ils sont chômeurs dans les Amériques, où ils font notre métier, McDonald's, ils servent des hamburgers McDonald's, alors qu'ils sont diplômés. Ils ont des diplômes dans beaucoup de domaines, qu'ils viennent ici mettre à disposition au peuple leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris, pour bâtir ce pays. Donc dans l'avenir, je pense, il faudra tisser un pont avec les Amériques. Pour que je puisse venir ici, il n'y a pas d'ambassade de RDC en Martinique. Donc, il a fallu que je prenne un billet pour la France. Donc, ça coûte cher. Et de la France pour venir ici. Donc, il faudrait qu'il y ait des lignes directes Martinique, Kinshasa, au lieu de passer par la France. Donc, il y a chez nous, les Européens font tout pour que les Noirs aient peur d'aller en Afrique. Quand je suis venu prendre un billet pour Kinshasa, les agences... Kinshasa? Non. On me proposait touriste croisière. Kinshasa, maladie, guerre. J'ai dit non, j'y vais. J'y vais quand même. Donc ils font tout pour empêcher aux Noirs d'aller en Afrique, s'intéresser. Tandis que les Blancs, les Européens sont ici et ils volent toutes vos richesses. Et les Noirs aux Amériques, ils attendent... Ils attendent Jésus. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jusqu'à quand ? Ce mensonge.
Il y a une réalité. Pendant que nous dansons, Jésus, Jésus, les bateaux partent là. Partent et reviennent avec des marchandises. En Europe, aux États-Unis. Et le pays est pauvre. Paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe. Oui, monsieur Vité, sinon tout moi massé. Le grand Marcus Garvey avait prôné dans sa lutte pour des Noirs américains dans le sol de leurs ancêtres, en Afrique donc. Vous savez, quand j'ai lu Un homme, sa pensée, de Marcus Garvey, il était arrivé jusqu'à monter une compagnie maritime, du commandant du navire au matelot des Noirs. Et si j'ai bonne mémoire, cela s'appelait le Black Stars. Line. Et alors, quelle est votre opinion sur ces vœux et comment entreprendre ou entreprenez-vous la matérialisation de ce rêve de Marcus Garvey? Marcus Garvey, il a prôné le retour des Noirs américains en Afrique. Et il a travaillé. C'est lui-même qui a financé le Black Star Line, le bateau, des paquebots qui ont été achetés. Parce qu'à l'époque de Marcus Garvey, les Noirs américains étaient très fidèles. Ils étaient tous unis autour de Marcus Garvey, mais qui étaient combattus par le système américain, Ku Klux Klan, etc. Donc Marcus Garvey a matérialisé cela avec les frères qui le soutenaient financièrement. Mais malheureusement, l'Occident, les Blancs qui contrôlent les États-Unis ont mis la main sur le bateau. Marcus Garvey a été chassé des États-Unis et renvoyé en Jamaïque. Voilà. Donc, comment matérialiser cela? Bon, y a des Noirs qui travaillent. Existe-t-il plutôt des organisations ou des structures qui sont en train d'aller dans le sens de ce vœu de Marcus Garvey? Oui, dans les Amériques, il y a beaucoup de structures qui prônent le panafricanisme de Marcus Garvey. Mais chaque structure, il n'y a pas de collaboration avec les autres structures. D'un côté, vous avez les Rasta, Fari, les adeptes Rastafari, Haile Selassie, Jah Rastafari. Eux aussi, ils prônent le retour en Afrique. Ils parlent de la philosophie de Marcus Garvey, mais ils ont leur objectif à eux. Donc chaque structure a un objectif spécifique. Donc il faudrait que toutes ces structures se rassemblent et aient un objectif en commun. Qu'ils puissent fédérer. Voilà, qu'il y ait une fédération. Bien, c'est un peu dommage, mais néanmoins, vous venez d'émettre votre opinion et des conseils dans le sens de l'effectivité plausible de ce rêve, de ce vœu de Marcus Garvey vis-à-vis de la mère patrie, l'Afrique, source qui les ont quittés ou qui les avaient laissés contre leur gré. Moutantou Mouamassé, la culture, c'est un mode de vie. Ayant observé l'environnement, vous constatez un lien dans les habitudes alimentaires durant votre séjour ici par rapport à la Martinique là-bas? Oui, effectivement, les aliments que vous mangez, nous cuisinons presque pareil. Nous avons chez nous beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc c'est à peu près c'est à peu près, c'est similaire. J'ai pas été gêné. À part chez nous le foufou,
Bon, chez nous, on ne fabrique pas ça. À partir du manioc, on fait de la farine pour agrémenter les repas. Mais les tubercules ne sont pas mangés, les feuilles non plus. Donc ici, j'ai mangé les feuilles, foufou. Très bon. Que vous avez apprécié. Apprécié. Naturellement. Vous avez fait un clin d'œil sur les potentialités de l'homme à la soutane jaune, Fumu Mwandansemi. Et alors, dans le Bukongo, qu'il enseigne, qu'il prône, on dit Yimbila Isambila Nkumbutatu. Alors, il y a le son de la musique. Par rapport à la Martinique là-bas, vous avez constaté des parallélismes dans le son qui est plus utilisé là-bas avec ce que vous entendez ici? Chez nous, nous avons des rythmes. Nous utilisons le tambour, ce que vous appelez une goma. Donc, dans la tradition, nous avons des danses anciennes. Ce sont les esclaves déportés d'Afrique qui ont conservé. Mais toutes ces danses et cette musique étaient combattues. L'Église considérait le tambour comme Satan. Satan. Les danses sataniques. La religion coloniale, vous voulez dire? Oui, la religion coloniale chrétienne. Et depuis quelques années, les Noirs chez nous se sont réappropriés cette musique qui est maintenant enseignée dans les écoles, à l'université. Et même l'Église qui, jadis chrétienne, jadis qui disait que le tambour c'est Satan, la chanson c'est Satan, ils se sont appropriés les rythmes et ils ont sorti des CD, des pasteurs, des monseigneurs. Mais à la place des paroles, c'est des évangiles, des psaumes. Mais c'est toujours l'instrument de Satan. Donc je ne comprends pas. Vraiment. Donc les traditions, faudrait que une délégation de les groupes qui conservent les danses viennent ici. Et peut-être que vous allez dire, ah, c'est pareil, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu les danses. Okay. Voilà. Il y a encore une question. Oui. Est-ce que vous avez des préférences sur tout ce rythme de musique-là? Je préfère ici. Ah, vous préférez? Oui, parce que les rythmes, ça... Non! Je parle de Konga, Boudou Djakongo, pas les musiques folkloriques, non. C'est des énergies, okay. C'est fort. Ok, c'est fort. Oui. Le monde est couleur. Le monde est couleur. Alors, tel que l'univers est opérationnel, dans le Ndila Congo, on parle de couleurs majeures et des couleurs mineures. Avez-vous une préférence dans les couleurs? Oui. Je porte une soutane bleue en référence à l'ancêtre Sakune Vunda. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la spiritualité. Donc, en portant cette couleur, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. L'homme à la soutane jaune, l'homme à la soutane bleue. Tout moi massé. Tout moi massé. Vraiment, c'est captivant. Alors, nous cheminons vers la fin de notre exclusivité. Mais pour attester, prouver que Tout moi massé qui est revenu dans ses origines, nous souhaitons qu'il puisse émettre de lui-même
un petit mot dans, sinon en Kikongo, la langue liturgique, sinon la langue qui est utilisée pour le grand message du Bukongo dans le rendez-vous du donner du recevoir du troisième millénaire. À l'endroit de frères et sœurs qui sont dans la diaspora, sinon qui sont dans les Amériques là-bas, pour attester que réellement lui il avait bifurqué et que la profondeur de toute religion mère, c'est quand on recourt à la langue authentique qui est donnée par l'archange de ce peuple. Donc je vais vous répondre. Vous savez, je suis venu ici, j'ai été accueilli par l'homme à la soutane jaune. Donc pour répondre à votre question, dans le Bukongo, on parle d'un certain livre sacré, Makongo. Voilà le Makongo. Pour lequel vous avez eu le grand plaisir de venir toucher. Voilà, donc voilà le Makongo. Pampangi zeto, boba lende, bokasani zeto, zalumbu kiaki, bamwene kiese. Bayangalale kadi njo ona tutambudi wena mpewa nene kadi kuna katuki bamumwe nanga monzontumwa kibeni ya ndongya Kongo ne mankandala zavu kese kya beto kwako ku ndio na wazi kwako yani vo yandi Ntumwa ya nani kena, ntumwa ya ndongi ya Kongo. Kadi malongi maka nata angakuna, maka ndonga angakuna, matuka angakwa nkaka. Savo, beto bantete, tuyangalale, tukreyani kintuadi, tumoka sani tumdidi biofu, tubakilizi mfutu, beno mpe maluidi, mamingi, makoma, kamenako, kadi... Mena makereka lulanda ngakaka la mizidi evo mamonto mavyokanga mu radio television kinatimaza kadi mamonto no mena mukati ya toute ces vérités que vous devez comprendre avec le temps. Moi je vous remercie. Je sais que le grand émissaire est là. Il va commencer à vous donner ce dont vous aurez besoin. Oui, chers téléspectateurs, au grand tournant, ou à chaque grand tournant dans le monde, il y a des esprits appropriés qui se lèvent et qui orientent. Voilà le sens même de la dénomination de notre chaîne Radio Télé Kinatimaza. Nous osons croire que c'est un début. À tout moment que une innovation, une information à caractère culturel, à caractère environnemental, nous allons communier avec vous. Et pour cette exclusivité, nous avons vraiment marqué le passage de ce grand émissaire des Amériques dans les Martiniques là-bas pour atterrir au Congo d'Antotela, dans la terre des grands êtres Yaya Vita Kimpa, Mfumu Kimbangu. Maintenant, nous avons le grand Mfumu Mwandansemi Ngoyambakala Yansukumalombo qui est en train de coordonner afin que le
grand tournant dans le monde, dans le cadre de rapports de force pour réformer l'Afrique du troisième millénaire. Voilà, nous avons circonscrit l'essentiel de l'exclusivité de ce jour. C'est une grande joie pour nous et nous osons croire que ce début ici aura à s'améliorer et avec votre participation, nous aurons aussi à améliorer dans le sens de communiquer par rapport à notre canal d'échange pour ces grands tournois ici, le troisième millénaire. Dans le Nzila Congo, on dit Lusala Muyenge. Oui, ce grand travail que nous venons de vous présenter en ce jour, ici dans la capitale Kinshasa, c'est le coordonnateur Bafouidine Sony qui a exploité cette activité, cette exclusivité ici, accompagné de l'assistant Ndandani. Et nous avons le directeur technique Mbuta Luzolao et l'équipe technique qui s'est engagée afin de réaliser ce spécial de ce jour. Nous vous remercions. Yeah, 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 yeah